Bienvenue dans les nouvelles Golvengs de Chis Marmotte, édition spéciale. Moi, c'est Jean le Mignon. Allez, longa longa, lance-nous les choses. Quand je regarde la FIFO, avec tous ces problèmes, je me demande à Africa, mais quel avenir. Quand je regarde la FIFO, avec tous ces canapés, je me demande à Africa, mais quel avenir. Oui. Merci longa longa. On commence. Un groupe de terroristes a fait irruption hier samedi dans une école. Et le groupe a fait quoi? Et a froidement assassiné des élèves. Que quoi? Et a froidement assassiné des élèves. Mais Valérie, tu m'entends ça? Oh non. Et il y a eu combien de victimes? Au dernier décompte, 7 enfants tués et plus de 10 autres blessés et dans un état grave. Mais ça, c'est incroyable! Un acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie à nul autre pareil. God, why now? Mais c'est le journaliste, relate-nous les faits. On se croirait sur un champ de guerre. Entre 10h et 11h, des dizaines d'élèves sont dans les salles de classe au mode Francisca Bilingual Academy. Et nous sommes où là? Nous sommes au quartier Fiango, dans l'arrondissement de Kumba 2e. D'accord, continuez avec les faits. Soudain, un commando motorisé fait irruption par l'entrée principale et ouvre le feu. Mais, monsieur le prophète de Mémé, qu'est-ce qui s'est passé au coup de l'attaque? Au coup de l'attaque, des enfants ont été sérieusement touchés. Et c'était quel type d'attaque? C'était une attaque avec des armes de guerre. Ok, monsieur le journaliste, veuillez continuer. Les assaillants tirent d'abord en rafale dans la foule, puis au coup par coup sur les élèves, selon les rescapés. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En quelques secondes, plusieurs corps baignent dans du sang, 5 morts sur le carreau, le 6e rend l'âme à l'hôpital quelques heures plus tard. Et le 7e? Le 7e décède dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. Seigneur mon Dieu! 2 minutes de carnage, puis les assaillants prennent la fuite, les détonations ont alerté les forces de défense qui ont investi les lieux. C'est bon, monsieur le journaliste, merci. Et qu'en est-il de l'implication du gouvernement et de l'armée? Le gouvernement du Cameroun refuse catégoriquement les allégations tendant à imputer l'acte barbare aux forces de défense et de sécurité nationale. D'accord, on continue. Ce que nous avons gagné dans ce combat, c'est quoi s'il vous plaît? C'est notre rapprochement avec la direction des Amazoniens. C'est quoi? Notre rapprochement avec la direction des Amazoniens de Cameroun, de l'Ambazonie. Bravo. Non, mais félicitations. Bonsoir. Oui, bonsoir, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas être long. C'est pourquoi? Parce que je veux qu'aujourd'hui, qu'on transforme les paroles en action. C'est-à-dire? Que chacun de nous... Oh, s'il vous plaît, laissez-le parler. Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Ambazonie. Vous allez faire quoi? Nous allons acheter les armes pour envoyer en Ambazonie. Eh, Seigneur Jésus! Que chaque personne qui est ici cotise. Nous n'allons plus parler sans agir. L'équilibre de la terreur. Merci. Regarde-moi un villageois. Mais tout ceci me rappelle quelqu'un. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Vous voulez qu'on devienne les Ambazoniens, on sera les Ambazoniens. Ah bon, hein? Et sachez une chose, nous sommes dans notre droit. Comment ça? Tous les Ambazoniens, les leaders Ambazoniens que vous connaissez, ils sont ici en diaspora. Et ils font quoi? Ils collectent de l'argent, ils achètent le ringengengeng, ils envoient ça là-bas au pays et les Ambazoniens mènent la guerre. Mais vous êtes méchant, hein? Je m'en fous de ce que les gens vont dire ou bien ce que les gens vont penser, je n'en ai rien à foutre. À la guerre comme à la guerre, nous serons des monstres. Nous, on sera les monstres congelés. Et ferme ta sale bouche. Monsieur le ministre de la Communication, René Sadi, qu'est-ce que le gouvernement dit face à ceci? Le gouvernement de la République entend cette fois encore prendre à témoin le peuple camerounais tout entier. D'accord, donc de 1, prendre à témoin le peuple camerounais tout entier. Et quoi d'autre? Et dénoncer fermement tous ces concitoyens qui tapis dans l'ombre à l'étranger, dans leur pays d'accueil, orchestrent ces assassinats ignobles. D'accord, donc de 2, de dénoncer les concitoyens qui orchestrent tous ces assassinats. Mais, monsieur le ministre, pensez-vous que nous en sommes encore à ce stade-là? Point d'interrogation. En tout cas, monsieur Cabral-Libi, qu'en pensez-vous de cette déclaration? C'est absolument ubuesque. C'est-à-dire? Il y a un dicton de chez moi qui dit, si dans la forêt, vous vous retrouvez 2 ou 3 fois devant le même arbre, c'est que vous êtes perdu. C'est que vous êtes perdu. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? C'est-à-dire que si vous tournez à chaque fois autour des mêmes choses, ça veut dire que vous êtes incapable de les dépasser. Et donc? Donc le Cameroun se montre aussi incompétent en la matière. Non, c'est pas possible. Je crois même qu'on devrait avoir honte. Alors là, ça, je ne vous le fais pas dire. Quand je repense à ce genre de vidéos. Les gars du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palmé ici? Vraiment, c'est écœurant. Mais sinon les artistes,
Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On ne peut plus rester tranquille. Si on ne parle pas, nous sommes coupables. Et qu'est-ce que vous dites? On est tous d'accord sur le fait que ça ne peut plus continuer comme non, ça. Non, non, non. La guerre, ça ne peut plus continuer. Et quelles sont vos initiatives pour essayer de changer les choses? Nous sommes en train de mettre sur pied la procédure sur laquelle nous on va fonctionner. Et on appelle tous les artistes camerounais et tous les fans de tous ces artistes à nous suivre. Parce que trop, c'est trop. Vraiment trop, c'est trop. Tic, tu as aussi vu les vidéos là? Je viens encore de voir les vidéos. Mon Dieu, c'est des enfants. Je t'assure, nos petits frères et petites sœurs. Vous avez mal à mon petit frère, c'est des enfants. C'était des enfants, Seigneur. Vraiment. En tout cas, Madame la sénatrice Okala, avez-vous quelque chose à dire? Je suis en deuil. J'ai beau tourner dans tous les sens cette situation, je ne comprends pas qu'on puisse agir encore à notre époque avec autant de barbarie, autant de cruauté. Et pourquoi est-ce que vous pleurez? Je pleure parce que ça ne doit pas avoir lieu. Quel est le message que ces terroristes veulent envoyer? Et vous, monsieur, que pensez-vous de toute cette déclaration de haine autour de cela? Ce discours-là doit cesser de circuler. Quand on assassine l'école, c'est la République qu'on assassine. Merci bien. Pouvez-vous le répéter une fois de plus, monsieur? Quand on assassine l'école, c'est la République qu'on assassine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le peuple camerounais ne vous le pardonnera jamais. Même Jésus sur la croix n'a pas pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Bref, allons sur le terrain avec le sous-préfet de Koumba. Et par respect pour ses anges, je ne publierai aucune image d'eux. And come out. Please, everybody must come out today. Just tell us what's that. Please, everybody, come out and defend your children. This is total nonsense. They are our brothers and sisters killing our children because of education. We shall never permit that. Vraiment, tout ceci n'a pas de sens. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça fait 4 ans déjà que cela dure. S'il vous plaît, j'aimerais demander juste une minute de silence en faveur de toutes les personnes qui sont parties depuis le début de cette crise. Je sais que c'est assez bizarre que je vous le demande au travers d'une vidéo, mais faites-le simplement avec votre cœur. Merci. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes, que ce soit celles de la diaspora ou celles qui sont au Cameroun, qui se lèvent pour dire stop, qui se lèvent pour dire assez. Merci. C'était Jean Le Mignon. Ce qui se passe au nord-ouest, c'est pas normal. Et la communauté de Heilbronn vraiment dit non à cette mascarade, non à ces crimes. On est tous des Camerounais. On a le droit de vivre. On a le droit de vivre. On a tous le droit à la vie. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Ce sont nos familles tuées dans le nord-ouest, le sud-ouest du pays. Je vous demande de vous lever pour 2 secondes. Pour nos grands frères, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Soutenez la marine. Je pense que c'est grâce à notre union que nous avons réussi à faire ça. Et je dis à nos frères de Bamenda, vraiment qu'on les aime. On les aime de tout notre cœur, de toutes nos forces. Et vraiment, nous voulons, on a besoin d'eux au Cameroun. Un Cameroun uni. Et je pense que cette Coupe d'Afrique l'est dédiée à eux. Parce que vraiment, nous avons aussi reçu leur soutien à travers Faye, à travers Clinton, à travers Tambe. Ils étaient avec nous. Et vraiment, my brother, I am from Bamenda for you. For you. Touch me like you do, God. Hey!
You are the living God.